Bonsoir. Comment vous vivez le décès de Papa Wemba? Le décès de Papa Wemba, c'est, moi je dirais, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu, c'est normal. Vraiment. Je ne sais pas comment dirais-je, bon, c'est la volonté de Dieu. C'est normal qu'il a choisi la Côte d'Ivoire. Il a décidé, c'était roi et prophète. Il a décidé vraiment de céder, de mourir devant ses frères. Ça, c'est accompli, quoi. La mission est accomplie. Que pensez-vous de l'hommage qui lui a été rendu ce soir? Impeccable. Impeccable. La Côte d'Ivoire, le gouvernement, vraiment, c'est impeccable. L'orchestre Vive à la musique, il y aura quelqu'un pour reprendre les rênes? Ah, on est encore là. Hein. Bon, comme moi, j'ai décidé de rester. Donc, vraiment, on va voir la suite. C'est que si le relève, on aura le relève. Je prends le relève. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Que vous inspire la mort de Papa Wemba? La mort de Papa Wemba, c'est, on peut dire Papa Wemba, c'est une bibliothèque qui brille sans flamme. Papa Wemba, c'est le respect de l'Afrique. Papa Wemba, c'est la fierté de l'Afrique. Donc la mort de Papa Wemba, les mots me manquent, ça me touche très fort. Et comment avez-vous vécu cet hommage qui lui a été rendu aujourd'hui? Bon, je trouve ça super. Je trouve ça super, super. C'est très important parce que un grand artiste africain comme Papa Wemba a tombé en Côte d'Ivoire comme ça. C'est ce qu'on pouvait faire pour lui, pour lui rendre hommage. C'est très important. Merci beaucoup. Ah, merci, monsieur. Comment vous vivez le décès de Papa Wemba? C'est un regret pour la musique congolaise comme la musique africaine. Papa Wemba était moderne pour la jeunesse de notre génération aussi, puisque nous tous on a connu Papa Wemba en tant qu'un grand musicien. Donc c'était un regret pour nous tous. Donc, et puis en plus, quand il est venu en Côte d'Ivoire pour FEMIA, quand ce malheur-là arriva en Côte d'Ivoire, il fallait que tout le monde se mobilise pour montrer aux Congolais qu'on est du cœur avec eux. Donc voilà pourquoi on est là pour l'accompagner, accompagner la famille, et pleurer. Donc nous disons Yapo, la condoléance à tout le peuple congolais. Et comment avez-vous vécu l'hommage qui a été rendu ce soir? Comment avez-vous trouvé la soirée? Oui, l'hommage c'était très bien, la soirée était bien passée sans incident, c'est bien passé, la musique très bien, tous les artistes sont venus les porter soutien, c'est bien passé, c'était bien. Merci beaucoup. Très content.